C'est une équipe catalane largement rajeunie et remaniée qui se déplace sur la pelouse du Pré Fleury pour y défier l'US Nevers. 5 minutes de jeu. Première incursion dans le camp adverse pour le promu. La touche est bien captée en fond d'alignement par Falaeli qui trouve la faille dans le premier rideau. On essaie dans un premier temps d'ouvrir à droite, mais la défense du leader du championnat est solide. Finalement, après plusieurs temps de jeu, c'est Jean-Yves Zébongo qui concrétise ce temps fort. L'ailier inscrit son deuxième essai de la saison et donne l'avantage au sien pour la première fois de la rencontre. Mais c'est ce même Jean-Yves Zébongo, quelques minutes plus tard, qui va se faire remarquer. Coupable d'un plaquage cathédral, certes involontaire et signalé par monsieur l'arbitre, il écope d'un carton rouge et laisse ses coéquipiers à 14 jusqu'à la fin de la rencontre. Les Catalans ajoutent 3 points mais ne parviennent toujours pas à prendre nettement le dessus sur le promu neversois. Bousculé en mêlée fermée après l'exclusion provisoire de Christophe André, le promu récolte même un essai de pénalité. 40e minute de jeu, la sirène retentit et l'USAP continue de subir. Le troisième essai n'est pas loin, mais finalement, Seylal Alam se rend à son tour coupable d'un plaquage dangereux. Pas cathédral cette fois, mais directement à l'épaule. Même sanction que son homologue. Carton rouge pour le talonneur de Perpignan. À la pause, les deux équipes rentrent au vestiaire sur le score de 15 à 9 et reprendront la partie à 14 contre 13. Au retour des vestiaires, les Catalans sont dépassés et continuent de subir les impacts adverses. 45e minute de jeu, Luçon est à nouveau dans l'avancée, dans les 22 mètres adverses. À chaque impact, les Catalans reculent. Finalement, Falaeli extrait rapidement le ballon pour son pilier droit qui progresse au soutien. Il feinte ensuite la passe à 5 mètres et file seul sous les perches inscrire un essai de filou. L'essai du bonus offensif. Les Catalans ne voient toujours pas le jour et continuent de subir. Ils n'ont pas encore marqué le moindre point en seconde période et n'en marqueront pas. Les locaux sont à nouveau dans l'avancée. Falaeli, auteur d'un excellent match, se fait encore remarquer. Il croise la passe pour Cunavor qui sert Bastide. Le troisième ligne file à la manière d'un trois quarts sous les perches. Nevers mène à présent 27 à 9 face au leader du championnat. Dernière minute de jeu, les Catalans tentent de réagir mais ne parviennent toujours pas à trouver la solution. Les Neversois, eux, vont s'offrir le luxe d'inscrire un cinquième essai dans cette rencontre. Une nouvelle charnière est entrée en jeu mais elle est tout aussi efficace. Uruti tape un long coup de pied en direction de son ouvreur. Belli est à la réception et file sous les perches. Invaincu depuis 6 rencontres, l'USAP s'incline finalement. Au Pré Fleury, Nevers fait un précieux pas vers le maintien en empochant son quatrième bonus offensif de la saison.